Tout ce que je voulais vous dire, j'ai un message pour vous de la part de Papa Alain, mais aussi de moi-même, ce que le Saint-Esprit m'a inspiré. Papa Alain vous envoie un message de vous dire que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Soyez calme. Amen. C'est le diable qui est agité. Amen. C'est le monde des ténèbres qui est agité. Amen. Alors, le message que je voulais donner, avant que je donne ce message, je vais vous donner d'abord les révélations que j'ai eues pour votre siège et ensuite on va entrer dans les détails. Amen. Hein? Le jour où j'ai commencé le séminaire la semaine passée, j'ai dormi à un hôtel ici à Fresnes. J'ai témoigné le jour des pleureuses, pour ceux qui n'étaient pas là. Qu'est-ce que je vois en révélation? Je vois en révélation que tous les quartiers de Fresnes, c'est une prison. Et là où j'étais à l'hôtel, cet hôtel était une prison. Et nous étions comme des prisonniers. Qu'est-ce que je vois? Chacun d'entre nous était habillé avec l'habit des prisonniers, y compris moi. Donc, on a aussi Kinshasa, on a mis retrouvé des prisonniers à Fresnes. Je m'habille en prisonnier et on nous demande, celui qui veut sortir doit avoir une carte d'accès pour sortir. Et heureusement que j'avais ma carte d'accès dans les rêves. Je présente ma carte d'accès, il y avait des policiers partout. Moi, je suis sortie. Je me réveille, il était 5 heures du matin. À 5 heures du matin, je me suis lavée, j'ai pris les taxis jusqu'à la gare, parce que le seul côté que je connais, c'est la gare du Nord. J'ai pris mon taxi jusqu'à la gare du Nord à 5 heures et j'ai appelé maman, j'ai dit, maman, viens me prendre à la gare du Nord. Frère Nouan est à prison. Il faut au Bimakuna. Et le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, quand j'ai contacté les chefs de mission ici, ils m'ont dit, réellement, maman, nous devons sortir des Fresnes. Nous devons quitter Fresnes. Nous cherchons une salle. Ça fait plusieurs mois qu'on cherche des salles. Il n'y a pas de salle. Moi, je dis à Papa Guy, ma présence ici à Paris, le fait que je suis sorti de la prison des Fresnes, nous allons trouver la salle. Et j'avais prophété, j'avais dit, je ne quitterai pas Paris jusqu'à ce qu'on va trouver une nouvelle salle. Amen. Hein? Amen. Et du coup, je me retrouve à la bergerie de Paris, mais ce n'était pas l'ancienne bergerie. C'était une très belle maison, bien décorée. Et la personne que je vois dedans, c'était Maman Olang. Maman Olang était allongée, mais elle était très fatiguée. Mais elle était habillée en blanc. Quand elle m'a vue, elle me dit, ah, Kétia, tu n'es pas allée voter. J'ai dit, maman, je n'ai pas voté. J'ai dit, maman, j'ai voté. Et puis elle me dit, mais pourquoi tu n'as pas encore postulé? J'ai dit, maman, je vais postuler après. Je m'occupe d'abord du siège de Paris. Et puis elle me dit, pourquoi tu n'es pas à l'adoration? J'ai dit, maman, je ne pars pas aujourd'hui à l'adoration. Je vais prier avec toi à la maison. Directement, elle me dit, viens t'asseoir. Et je vois Maman Olang appeler ma nièce. Elle dit à ma nièce, emmène-moi les assiettes. Nous allons dresser une table pour les sièges de Paris. Et moi-même, je vais les servir. Alors, je vois Maman Olang en train de choisir des assiettes avec ma titia. Et puis, elle me dit, toi, occupe-toi des verres. Toi, tu vas servir à boire. Moi, je vais servir les assiettes. Du coup, je me réveille. C'était la révélation. Et à un moment, vers 5 heures, je prie, je dors encore. Là, et Dieu me dit, entre dans la prison. J'entre dans la prison. Dieu me dit, ouvre les portes, tu fais sortir tous les combattants. J'ouvre la première porte, c'était Maman Kana qui m'a suivi. Maman Kana qui dit, maman, eux qu'on libérait Bissot. Quand j'ai commencé à ouvrir les portes, c'était tous les combats spirituels. Là, Maman Balongwa, tout le monde est sorti de cette prison-là. Et les gens commençaient à me suivre derrière. Les gens commençaient à fuir directement. J'ai dit à Maman Kana, j'ai accompli ma mission. Je vais rentrer. Je me réveille, c'est le sommeil. Ça, c'est les révélations que j'ai eues. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le samedi, on devait faire la retraite. Je dois vous expliquer pour que vous compreniez pourquoi il y a cette agitation dans le monde des ténèbres. Le samedi, on devait faire la retraite à Villiers-le-Bel. Quand on a eu la salle de Villiers-le-Bel, mon frère, ma soeur, pour vous dire que nous sommes venus réellement accomplir l'œuvre de Dieu. Le propriétaire de la salle où on a fait la retraite, quand il a vu comment on a organisé la retraite, il est chrétien. C'est un Turc, mais chrétien. Lui-même, il parle au papa Guy et au papa Samuel, il dit, j'ai une salle à vous proposer. Lui-même. Alors, il nous propose la salle, il va à la salle où on a fait l'adoration, hein, dimanche. Cette salle-là, c'est la salle, le cadeau que Dieu a donné aux combattants. Lui-même, il nous accompagne à la salle. Lui-même, hein. Il dit, cette salle, c'est votre salle. Et d'ailleurs, dimanche, venez adorer ici. Nous, on lui dit, mais on va adorer ici, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de podium. Il dit, là, j'ai même reconnu Maman Lang. Il nous dit, même s'il n'y a pas de podium, mettez même les tapis, adorez. Alors, j'ai dit à Papa Guy, ça, c'est le cadeau que Dieu nous a donné. Et même les prix, je dois vous dire la vérité. Il nous dit, si vous prenez cette salle, je vous donne le contrat, vous allez me payer 12 000 euros. 12 000 euros pour cette salle-là, c'est un cadeau donné? C'est un cadeau donné, 12 000 euros. Alors moi, je dis, Papa Guy, même si il faut te faire un salle, c'est notre salle. On a pris possession. Et les dimanches,
C'est lui-même le propriétaire qui nous a montré où louer les groupes électrogènes, où louer les toilettes publiques. C'est lui-même le propriétaire. Et il nous dit lundi, vous venez, on va signer le contrat. Bande Koulanga, bon qu'à combat, c'est quoi à Paris? On veut signer le contrat lundi, on l'appelle toute la journée, il ne répond plus au téléphone. Le mardi, papa Guy va là-bas le matin. Papa Guy va le matin, je dis papa Guy, il faut partir. Papa Guy est parti, il cause avec lui, il dit non, mais est-ce que vous pouvez payer les loyers à la fin du mois, tout ça. Je dis papa Guy qui dit on va payer. Papa Guy qui dit je vous passe notre responsable. Il a parlé avec moi au téléphone, je l'ai convaincu et je lui ai dit moi-même je me porte garant. S'il y a un problème, vous venez me chercher au Congo. Je lui ai même montré toutes les images de ce que je fais comme affaire pour qu'il ait au moins confiance en moi. Le monsieur qui dit ok, il n'y a pas de problème. Quand papa Guy est sorti, on a compris qu'il y a des gens qui sont encore partis derrière lui pour empêcher qu'on aille cette salle-là. Je dis papa Guy.